Le centre de rééducation de Trestel s'est équipé en 2022 de deux dispositifs techniques de la tyrosolution, le Pablo et le Miro. Ces outils permettent de travailler autant avec des personnes atteintes de pathologies neurologiques, orthopédiques et traumatologiques. Miro, c'est globalement un écran tactile géant qui réagit au mouvement et à la pression. Il est fourni en fait avec des accessoires qui nous permettent de reproduire les mouvements de la vie quotidienne. Avec le bout et pas avec l'ongle. Il permet la rééducation globale du membre supérieur et des préhensions en actif ou en actif aidé couplé avec une suspension. Il se règle verticalement, horizontalement, en inclinaison et on peut donc l'utiliser assis pour des personnes en fauteuil roulant par exemple et debout. Vous appuyez. Voilà, appuyez fort sur l'écran. Voilà. C'est ça, c'est bon. Top. Et donc il faut réussir à mettre sur le rose. Il permet aussi un travail cognitif avec des exercices qui sollicitent plus l'attention et le repérage visuel. Pablo, lui, est utilisé aussi pour une rééducation active, active aidée ou en force avec l'aide de capteurs sans fil. Il y a quatre accessoires, le multiboard et le multiball, qui permettent, eux, un travail en stade précoce quand il y a peu de motricité. Ensuite, nous avons la poignée avec capteur intégré, qui suit aussi bien la force de préhension que l'amplitude du mouvement. Et enfin, nous avons des capteurs qui, fixés sur n'importe quelle partie du corps, peuvent permettre de travailler toutes les articulations. Ainsi, nous avons une multitude de possibilités et certains jeux et configurations nous permettent de travailler sur un geste fonctionnel particulier. Globalement, les retours des patients sont assez positifs. Cette technologie avec un feedback visuel rend vraiment la rééducation plus ludique, plus motivante et permet aux patients de vraiment se prendre au jeu. Pour quelqu'un qui ne joue jamais au jeu, je découvre en fait sous forme ludique la rééducation. On rentre dans le jeu. Et on en oublie les douleurs. C'est pas simple.